السلام عليكم التلديد. Buenos dias. Alors là, je vais essayer de parler, comment dire, déjà sur nos passions, comment dépassionner un petit peu la situation actuelle en Algérie, et aussi faire une ou deux petites propositions sur des problèmes centraux. Voilà. Bon, on va essayer quoi. Hein. Alors, les passions. D'abord, faut revenir là-dessus. Tous les Algériens. L'Algérie est un pays qui passionne tout le monde, le monde entier peut-être même. Nous passionne en tant qu'Algériens. On voit bien à l'étranger aussi, ça les passionne, surtout certains pays. Maintenant, revenons à nous-mêmes. Algérien, être humain avant tout. Ce qu'il faut dire d'abord sur les passions, c'est que c'est un penchant naturel de l'être humain. Et c'est un penchant qui, les passions, ils nous poussent vers ce qu'on désire. Même la colère est une passion, puisque des fois on peut se mettre en colère, c'est pour nous protéger de ce qui peut nous nuire. Dans l'absolu, les passions, elles sont ni condamnables, ni louables, bien sûr, ni l'un ni l'autre. Comme la colère, elle peut être utile à certains moments, même s'il faut éviter, bien sûr. Mais le problème des passions, c'est que nous tous et toutes et tous qui obéissons à nos passions, à nos désirs, suivant nos colères, on dépasse souvent les limites. Et très rares sont les personnes qui restent dans des limites raisonnables. L'idéal d'une personne sensée, c'est qu'elle veille à maîtriser ses passions et sa colère. Ce but n'étant atteint que vraiment par de très très rares personnes dans le monde. Faut savoir prendre du recul, etc. Pareil, agir au quart de tour, tout ça, vous prenez bien. Mais bon, c'est très difficile pour tout le monde. 99,99,99, etc. d'êtres humains dans le monde. Juste un petit rappel d'une parole du prophète, al-Salatu Salam, qui disait « Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant, c'est-à-dire complètement croyant, tant qu'il ne soumettra pas ses passions à mes enseignements. » Sachant que ces enseignements répriment la colère et les excès. Voilà. On doit aller vers l'amour, etc. Je dis ça parce que, par exemple, moi-même, j'ai sorti une fois une petite expression cet été, il n'y a pas longtemps, en disant « Hirak », on change une lettre, ça fait « Harki ». Et c'était excessif, évidemment, avec un certain recul, puisque oui, on sait que certains dans ce mouvement y a un mouvement de traîtres, ça c'est clair. Mais sont-ils majoritaires ou quoi que ce soit? Non. Est-ce que tous ceux qui continuent à revendiquer être contre les élections, etc., sont-ils vraiment des traîtres? Non plus. Donc hier ou avant-hier, j'ai entendu une interview sur Spoutnik d'un professeur très posé qui disait, il y a plutôt une expression que je trouve plus raisonnable et plus vraie. C'est grand Hirak, petit Hirak. C'est-à-dire le grand Hirak, c'est le grand mouvement du 22 février où 20 millions d'Algériens sont sortis dans les rues, et petit Hirak, c'est celui de ces derniers temps. Grand Hirak, petit Hirak, c'est peut-être plus raisonnable maintenant. Faut arrêter avec Hirak, Harki, à mon avis. Sachant qu'on n'oublie pas cette partie, mais qui n'est pas du tout une partie archi minoritaire à l'intérieur du petit Hirak. Voilà. Donc grand Hirak, petit Hirak, c'est plus intéressant. Pareil pour nos frères Kabyles et amis Kabyles, il faut arrêter Mac et Kabyles, ça n'a rien à voir, et il faut arrêter de stigmatiser
voilà, ça c'est pareil, on arrête avec les OAV et les OAFA, etc. Franchement, parce qu'il y en a qui sont contre le MAC et qui vont se solidariser finalement, se sentant Kabyle quand même, etc. Donc, faut pas, faut aussi des passionnés. En fait, pour des passionnés, essayer de dépassionner le débat, il y a trois principes à mon avis. D'abord, c'est poser objectivement les données réelles des problèmes qu'on a, où on en est, etc. Objectivement poser les problèmes, les données réelles du problème. Soi-même s'interdire de porter des jugements trop schématiques, dans tous les sens, hein, que ce soit le petit Hirak ou le grand Hirak, hein, on est d'accord. Voilà, s'interdire soi-même. C'est difficile, hein, ça, parce qu'il faut prendre du recul en permanence, ce qu'on sait pas faire. Et aussi, le troisième principe, c'est de vouer aux gémonies des coupables, désigner des coupables, donc des harkis, etc. C'est-à-dire les exclure définitivement du débat. Ça aussi, ça n'est pas raisonnable, puisque qui dit que des gens qui actuellement sont complètement contre votre avis ne le rejoindront pas un jour, et vous-même, vous allez peut-être rejoindre leur avis aussi un jour. Donc, faut un petit peu, faut pas exclure, faut exclure personne finalement. J'ai fait des vidéos pour me moquer d'Assoul, de l'Almas, de tous ces gens de Radio M, etc. Mais me moquer avec de l'humour, c'est peut-être un petit peu comment dire. Un petit peu essayer de faire ouvrir les yeux comme ça, gentiment, sans trop, sans insultes, sans, voilà, sans désigner absolument des coupables. Voilà, tout simplement, vous m'avez compris. Donc, faut essayer de dépassionner le débat. Alors, quand je disais le numéro 1, poser objectivement les données réelles du problème. Quels sont les deux problèmes numéro 1 qu'on a en Algérie? Pour moi, c'est 1, la corruption, 2, le népotisme et l'incompétence. Voilà. Alors, on va prendre d'abord le premier 1. Le 1, c'est la corruption. On sait pourquoi il y a la corruption, hein. Alors la corruption, c'est des gens, soit ils aiment trop l'argent, soit ils en ont pas assez, ils veulent arrondir leur fin de mois, voilà. Il y a le corrupteur riche et le corrupteur le pauvre, hein. Voilà, donc ça va du haut à en bas, c'est une culture dans nos sociétés, et pas que notre pays, hein. Mais on parle de nous, hein, bien sûr. La question que je me pose, c'est ce serait bien d'évaluer un petit peu combien coûte la corruption au pays chaque année. Combien ça coûte en gros, comme ça. Allez, je vais avancer un chiffre, mais vraiment n'importe quoi. 10 milliards d'euros. 10 milliards d'euros, par exemple. Ou bien plus, hein. Mais on parle de la corruption directe, hein, celle qui fait que l'argent passe de main en main, etc., etc. Je parle même pas de ce que ça coûte en termes de manque à gagner pour l'économie, etc. Puisque l'argent qui passe pas dans l'économie passe dans les poches de certaines personnes, à leur profit personnel, au lieu de passer au profit de tous. Là, je parle vraiment de l'argent qui passe de main en main, comme ça. Donc, bon. Avancer ce chiffre comme ça. Si on prenait sur ces 10 milliards d'euros qu'on est sûr de perdre chaque année, est-ce que l'État il ferait pas mieux de se dire, allez, je vais consacrer pendant un certain temps, un certain nombre d'années, par exemple 1 milliard d'euros, je sais pas combien que ça fait 200 milliards de dinars, en gros, 150 milliards de dinars, pas de centimes, hein, de dinars. En gros, je vais consacrer 1 milliard d'euros, par exemple, à les distribuer en tant que prime
au bon travail accompli. Parce que des fonctionnaires, hein, je parle toujours des fonctionnaires, parce que c'est eux qui pourrissent la vie de tout le monde, hein, fonctionnaires du haut en bas. Est-ce qu'il ne faudrait pas inverser les choses? Au lieu que le gars il se serve lui-même par magouille, etc., avec l'argent de l'État, de tout le monde, donc de notre argent, est-ce qu'il voudrait mieux pas qu'on prenne une petite partie, un dixième de ce que coûte cette corruption à tout le monde, et en fait la verser? Alors, aux fonctionnaires, qu'ils soient petits fonctionnaires, grands fonctionnaires, etc., en tant que prime au bon travail accompli. Ça leur permettrait d'avoir un peu d'argent en plus de leur paye, et ils chercheraient peut-être moins de l'argent ailleurs, et ça permettrait de les motiver aussi. Bon, on sait que quand on s'engage dans un boulot, on n'a pas besoin d'être payé en plus pour bien faire son boulot, parce que c'est notre rôle. Mais pour le moment, peut-être on doit faire des mesures qui permettront que cet état d'esprit finisse par être naturel. Pour le moment, il n'est pas naturel, on le sait. Il y a un faible esprit d'équipe, l'absentéisme, le manque de motivation, etc., le manque de respect envers la hiérarchie, etc., etc. Il faudrait, en fait, peut-être refaire un code, de conduite pour les agents publics, hein, et aussi leur proposer donc ces motivations. Donc pour le bon travail d'équipe, contre l'absentéisme, etc., etc., ce que je vous ai dit, et aussi pour les bons résultats dans la gestion des deniers publics. Alors, ça c'est une chose, un des petits aspects pour combattre la corruption. Évidemment, évidemment, pour pouvoir combattre la corruption, il faut mettre en place des mécanismes de contrôle indépendants au niveau de l'État et au niveau de chaque wilaya, voire chaque daïra, chaque mairie. Il faut aussi mettre dans chaque wilaya, ces mêmes organismes, des mécanismes de signalement de la corruption, hein, qui recueillent les signalements de la corruption. Je dis pas, après c'est flou un petit peu, hein, mais il faudrait mettre la pression au plus près, et donner la possibilité aux citoyens honnêtes de pouvoir se plaindre, sans aller à la justice, etc., sans preuve, etc., mais pouvoir se plaindre, et ensuite, ces organismes contrôleraient ces personnes. Voilà, bon, ça c'est une parenthèse. Après, on a deuxième gros problème de l'Algérie, le népotisme et l'incompétence, qui vont ensemble. Le népotisme, c'est le favoritisme, alors au niveau national, régional, local, et c'est-à-dire nommer des personnes à des postes alors qu'ils n'ont aucune compétence pour ces postes, ou du fait qu'ils sont nommés, bah, ils n'ont pas besoin d'être motivés pour travailler, etc. Bon, on a compris ce que c'est le népotisme. Et on sait très bien que tout ça, ça compromet l'efficacité des prestations et l'efficience, hein, la qualité des prestations des services publics. Et évidemment, ça entraîne la non-confiance des citoyens, et ça nuit à l'image des autorités publiques, etc., locales, régionales, etc. Et donc, quand il n'y a plus de confiance, c'est l'anarchie. Donc le népotisme. Pour combattre le népotisme, mettre les bonnes personnes au bon poste. Alors, imaginons, pour le moment, évidemment, les fonctionnaires, ils sont en place. On ne peut pas les virer comme ça. Mais on peut évaluer leur travail. On peut évaluer leur travail, déjà, pour ceux qui sont déjà en place. Mettre des procédures d'évaluation du travail qui rejoignent les primes que je parlais contre la corruption avant, hein, aussi, hein, techniquement. Combattre le népotisme, donc il y a ceux qui sont déjà en place, la compétence de ces gens-là, il faut l'évaluer et peut-être ou les former pour qu'ils améliorent, ou bien passer par le recrutement.
Alors, le recrutement de nouvelles personnes qui vont encadrer ou qui vont se mélanger à ces personnes. On sait bien que depuis longtemps, travailler en Algérie, alors au sein de l'État, hein, travailler en Algérie, je me souviens, dans les années 80, etc., c'était comme ça. C'était mal vu, quelqu'un qui travaillait beaucoup, on le sait tous, pour les fonctionnaires. Et maintenant, il faudrait, en fait, dans le recrutement, il faudrait garantir l'égalité des procédures de recrutement. Voilà. Et le recrutement doit se faire simplement en tenant compte des connaissances, de l'expérience, des compétences, voire même du comportement des candidats. Il faudrait définir une série de règles qu'il faut appliquer comme principe de recrutement qui est fondé sur le mérite. Voilà. Et non plus sur le népotisme, bien sûr, bien sûr. Pareil, pareil, l'incompétence. Ce qui nous pourrit la vie, c'est les fonctionnaires qu'on côtoie tous les jours. C'est les cadres responsables. Dès qu'il y a tous ceux qui ont des responsabilités, tout cela, ils doivent être archi-contrôlés. C'est eux les premiers à être archi-contrôlés. Je vous avais raconté une fois l'histoire d'un gars à qui on a donné l'autorisation d'ouvrir une station-service au bord de l'autoroute, et puis le gars qui avait cette responsabilité de lui donner l'autorisation l'avait convoqué ensuite pour lui demander de lui verser 10% tous les jours, enfin sur son chiffre d'affaires, etc., sur ses bénéfices. Bon, et ben ces gens-là, ces cadres-là, doivent être archi contrôlés. Et pareil, donc dans toutes les wilayas, dans toutes les mairies, dans toutes les daïras, il faut des mécanismes, que le citoyen ait un mécanisme, qu'il existe des mécanismes de signalement de la corruption, du népotisme, etc., etc. Je vais finir par un dernier point qui est central pour moi aussi, qui est central, c'est la propreté de notre pays, du territoire algérien. Pareil, c'est une culture de jeter ses ordures partout, etc. On le sait. Ou un Angol, mais qu'un Chab, les Maïtar Bach, ça n'existe pas. Ça n'existe pas un peuple qui ne s'éduque pas. C'est pas vrai. Pareil, les maires, etc., vraiment que je désigne comme responsable aussi de beaucoup, beaucoup de problèmes. J'espère que on va changer les maires vraiment, parce que c'est des corrompus pareils, etc. On le sait, qu'on va réussir à avoir des maires qui s'occupent vraiment de leur ville. Il faut que ce soit la propreté du territoire doit être une cause centrale et nationale. Et par mille moyens, on peut y arriver à rendre la propreté à notre pays. Et ça, je le détaillerai peut-être un autre jour une autre vidéo. Il y a mille moyens qui sont à notre portée et pour faire changer le comportement du citoyen. Parce que un citoyen qui s'occupe de la propreté de son pays, de son environnement, de sa cité, etc. C'est un citoyen qui se respecte lui-même et qui respecte donc son pays et son environnement et là où il vit. C'est essentiel pour changer les mentalités. La propreté du territoire et ce n'est pas qu'une question d'hygiène, c'est une question psychologique, tout ce que vous voulez, psychanalytique, comme tout ce que vous voulez. Quand on est propre dehors, comme on est propre chez soi, c'est se respecter. C'est s'estimer, c'est reconquérir une certaine dignité au lieu de s'en fiche, etc., etc. Mais ça, j'en reparlerai. Dernier point, je ne cesserai de le dire, la diaspora doit rentrer au pays, construire son pays. J'écoutais un économiste qui disait, il manque 1 million d'entreprises à peu près pour être à peu près aux normes par rapport à d'autres économies. Sincèrement, essayez de rentrer ceux qui peuvent, apporter vos compétences, travailler ici pour ceux qui peuvent toujours, ou bien, et je sais pas, même tout en vivant à l'étranger, essayez de faire quand même quelque chose ici en prenant. Moi, je pense que le mélange entre diaspora, compétences de l'étranger, idées de l'étranger, acquises ailleurs, etc., et le dynamisme, etc., et la compétence d'ici,
nationale. Franchement, c'est un super mélange. Prenons juste l'exemple, le fameux exemple de Belmadi, l'entraîneur national, qui en une année seulement a réussi à mixer ces deux tendances, le diaspora et national, et qui a apporté de la compétence, de la rigueur, etc. On sait tout ça. Et en un an, regardez tout le travail qu'il a fait. Voilà. Et je suis certain qu'on peut mélanger ça. La diaspora a un rôle central. Je vous le répète encore, les Chinois en 79 étaient pauvres, etc. Ils sont rentrés, leur diaspora, 5 millions sont rentrés. Ils n'étaient pas un milliard à l'époque, hein. En 79, ils sont rentrés au pays, ils ont construit leur pays, regardez où ils en sont. Ce n'est pas la diaspora qui fera que les choses changeront d'un coup, mais la diaspora doit participer et elle a un rôle central aussi. Voilà. Bon, assalamu alaikum et merci de m'avoir écouté. Au revoir.